Bonjour, donc Laurence Monod, je travaille chez MBDA et je suis membre actif de la commission intelligence économique de la 3AF et depuis peu vice-présidente de cette commission. Bernard Guillot, donc président de la commission information pour l'entreprise donc de la 3AF. Et donc j'ai le plaisir d'être avec la vice-présidente qui probablement va me succéder bientôt. Donc qu'est-ce que tu peux dire sur un bilan à mi-parcours ? Alors pour l'instant ce forum, je suis très très satisfaite de ce forum. Beaucoup de convivialité, beaucoup de réseautage qui est une facette de l'IE très importante. L'objectif du forum, c'est aussi de réunir des gens et faire en sorte qu'ils échangent. Cet objectif est complètement atteint. Enfin, moi, je suis très positive parce que je trouve que tous les objectifs sont atteints jusqu'à présent. L'organisation est super, les présentations sont de qualité. On a dépassé 180 participants, ce qui est quand même bien. Et quand je regarde d'où ils viennent de toute la France, bien entendu. Mais en plus, il y a des Belges, il y a des Luxembourgeois, il y a des Suisses. Et il y a des Anglais, avec en particulier donc, Financial Times qui nous sponsorise. Et donc, il y a les exposants aussi sont présents ici. 18 mois à l'avance, on lance un appel à communication. L'appel à communication, on trie après les papiers, on en retient à peu près 1/2. Donc, on essaye de retenir que des cas concrets, des opérationnels, des témoignages d'opérationnels, et non pas des sujets un peu fumeux qui font rêver. Cette année, on a innové avec un certain nombre de choses. On a une connexion, on a une application dédiée à l'événement. On peut s'envoyer des messages entre nous, on peut recevoir tweeter. Oui, mais aussi des live tweets aussi, voilà. Et puis donc le portail de l'IE cette année qui nous permet de faire des vidéos et d'interviewer donc tous les intervenants au fil de l'eau.